Vous connaissez l'émission 53 millions d'amis? Oui. Voilà, vous me reconnaissez peut-être, Madame Servia, l'ancienne vétérinaire. Vous connaissez? Non. J'étais un homme. C'est vrai? Avant, et je me suis fait opérer. Ah oui? Et je suis devenue une femme. Ah oui? Vous étiez vétérinaire où? À Grenoble. Ah oui. J'aimais les animaux. Hein. Ah oui. Et je peux vous dire que j'ai votre petit chien. Ouais. Dans moins d'un an, il va boiter un peu fort. Pourquoi? Vous voyez pas? Il a boité, mon chien? Bah, regardez, à gauche. À gauche? Il y a 2 millimètres de trop. Où ça? En côte, regardez. Tiens, marche un peu vers moi. Viens, viens voir, voilà. Vous voyez l'amour qu'il a pour moi? Oui, il sent, moi, ouais, je connais ouais. Le langage des vétérinaires, madame. Voilà, viens, bouge il pas. Il a boité dans moins d'un an? Ah oui, à pourquoi? Peu pourquoi? Il devrait déjà boiter, parce qu'il souffre. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il a une dysphysie en chair. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous prenez, vous voyez en pharmacie? Oui. Vous voyez les gants, là, en latex? Des gants, ouais. Les petits gants, là, ouais, vous voyez comment? Ouais. Vous achetez une boîte de gants en ouais, latex, ouais. Tous les soirs, ouais. Viens ici. Ouais. Je lui masse... Oui, l'intérieur. L'intérieur de quoi? Vous lui mettez votre doigt jusqu'ici, 7 cm. Où ça? Dans l'anus. Oh et non vous... Si, madame. Oh non, je peux pas faire ça, moi. Pour lui remettre... Ah ben, oh sinon... non, je ne vais pas faire ça, il faut que je demande à la vétérinaire, mais moi, je ne le fais pas. C'est tous les jours pendant au moins 2 à 3 semaines. Si vous voulez le remettre bien en place, cette espèce-là, on la connaît, elle a toujours le même problème. Ah bon, vous oui, lui mettez... oui, le vétérinaire m'en avait parlé. Ah. De sa patte. Voilà. Et elle m'a pas parlé d'anus, ni de doigts parce dans l'anus. Il a quel âge? Moi, je peux pas faire ça à mon chien. Hein. Mais, d'abord, il va aimer ça au début. Vous avez... Mais non. Oh là là. Vous avez... Mais non. Vous avez déjà essayé? Moi? Sur qui? Sur votre chien. Bah non. Alors comment pouvez-vous dire qu'il aimera pas ça? Vous êtes... Ah, vous étiez vétérinaire à Grenoble. Moi, je veux avoir mon vétérinaire, mais je peux pas faire ça à mon chien. Moi. Mais si... Et vous lui faites ça pendant 3 semaines, hop, le doigt, et alors regardez bien. Vous le mettez, une fois qu'il est arrivé ici, vous voyez votre phalange, ouais. Vous le soulevez, votre chien. Je vous... soulève? Oui, par l'anus comme ça, à cette hauteur-ci. 10 fois. Faites-le bien doucement. Vous voyez? Moi, je l'ai fait à mon mari, bah, regardez. Le monsieur... de quoi? Ça, vous voyez le monsieur en bleu, là? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, vous voyez pas... Pourquoi la caméra? Eh ben, il boite plus. Oh! J'ai fait à mon mari, bah regardez, il boite plus. Hein. Non, alors là, c'est une blague aussi. C'est... Est-ce que soulever le chien comme ça avec le doigt dans l'anus, non, où on va, c'est pas possible. Ah, me dites pas que vous aimez pas ça. Hein, hein? Mais vous... Oh là là, non, vous avez une vulgarité. Non, mais pour votre chien. Ah, pour mon chien, j'ai jamais fait. Vous avez des idées, vous, hein? Ah bah, non, mais c'est vous.